Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire à quoi ressemble une montagne. Un coffre-fort. 50 000 pouces bleus, j'ouvrirai le coffre-fort. Ouais, les gars, bon, qui dit montagne dit forcément devoir s'habiller en montagnard. Du coup, on a fait appel à deux petits génies, les deux frères jumeaux d'Atomix. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 en commentaire. Code créateur souhaite. Si on atteint 100 000 codes créateurs avant la fin du mois, eh ben, je partirai une journée chez un abonné avec ma jolie petite pipine, hashtag ma voiture. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Et mettre des pouces bleus. Allez, on y retourne. Les gars, c'est bon, on est arrivé. Par contre, je sais pas, j'arrive pas à trouver la montagne. Genre, je sais pas. On m'a dit que c'était un gros caillou, mais je sais pas, j'arrive pas à la trouver. C'est assez emmerdant. Du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire à quoi ressemble une montagne. Voilà. C'est bon, les gars, on est arrivé à la montagne. Du coup, on est chez ma grand. Tiens, tiens, tiens. Mais serait-il pas un coffre-fort? Ok, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification et à mettre des pouces bleus. À 50 000 pouces bleus, j'ouvrirai le coffre-fort. Et forcément, il y a un très très gros trésor dedans avec énormément d'argent, alors mettez des pouces bleus. En fait, la montagne, les gars, c'est un peu comme la mer, quoi. Genre, c'est tout bleu. En vrai, je sais plus. Je sais pas. En vrai, les gars, là, avec ce que je vois, en fait, la montagne, c'est un caillou, mais il est gros, quoi. C'est un gros caillou, quoi. Vous connaissez pas la montagne, maintenant, vous savez c'est quoi. C'est un gros caillou. Ouais, les gars, bon, qui dit montagne dit forcément devoir s'habiller en montagnard. Du coup, on a fait appel à deux petits génies, les deux frères jumeaux d'Atomix. Eux, ils habitent ici. Du coup, ils connaissent mieux que nous. Donc, ils vont tout simplement nous relooker. Voilà, on leur a demandé, on veut être montagnard. Donc, ils vont nous faire un joli petit relooking. Voilà, on est parti, maintenant. Et mettez des pouces bleus. Bon, les gars, c'est bon, on a fini le shopping. Du coup, une fois qu'on rentre à la maison, je vous montrerai tout ça. Je vous montre tout ce qu'on a acheté, tout ça, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire de la luge d'été. Bien évidemment, vous me connaissez. Normalement, c'est interdit au téléphone. Cependant, pour le bien de mes abonnés et le plaisir des yeux, je vais prendre le risque de perdre mon téléphone et je vais le prendre. Et du coup, je vous filme tout ça. Voilà, à tout de suite. T'es prête, mon cœur, Zobia? Je t'ai laissé ton masque. Ok, les gars, c'est bon. Donc, qu'est-ce que la luge d'été? En gros, c'est ça, les gars. De toute façon, vous allez voir. Hein, je vous reprends une fois en haut. Parce que là, en gros, on monte. Et il faut attendre. Du coup, oh, vous allez attendre un peu avec moi pour le watch time. Ça fait plaisir. Code créateur souhaite. Ça résonne un petit peu. On va avoir des moments. C'est avec une main, c'est compliqué quand même. Je peux y faire, c'est non, mais qu'est-ce que tu fais, bébé? Bah, t'inquiète, pas cher, bébé. C'est l'heure du mon kiki! Oh man! C'est bon, je suis encore en vie. Du coup, ce vlog sortira dans les plus brefs délais. À tout de suite, bande. On s'est reparti, les gars. On a encore un autre tour. Charles-Philippe, hashtag Unchain, a perdu sa casquette. Chet dans sa grosse gueule. Ma gueule pour le jet ski, allez tiens, Charles, quand tu verras ma vidéo, chais. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller mettre en commentaire de sa dernière vidéo à Unchain, chais pour ta casquette. Malheureux. C'est parti mon kiki pour une deuxième descente, sensation sensée. On est un petit peu trop vite, du coup on a rattrapé l'eau. On a rattrapé l'eau, putain, je suis mort. On va lui rentrer dedans. Du coup on avait 11 pures. Oh non, ils ont niqué notre pute. Ah, la photo, attention. Regardez la photo, les gars. Cheese. Hop là, ça c'est gratuit, c'est pour nous. Oh merde. Salut, c'est nous, on arrive. On les a rattrapés. Easy. Bon bah du coup là qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tout simplement aller boire un coup. Attends, c'est bon, t'en fous. Bon les gars, la luge d'été c'était comment? C'était ouf, vraiment, c'était cool. D'ailleurs c'est eux, les Natomix. Bah oui, je vous les ai pas encore présentés, bande de fous. Leur chaîne ne sera pas en description. Oui, je suis un con. Bon, elle y sera. Peut-être. Bah au pire, allez voir. Et vous verrez si elle y est ou pas. Il est loin d'être fou, Swen, les gars. Ces hommes vont chercher une casquette. Charles, il a perdu sa casquette. Mais putain, mais laissez-moi pas tout seul.
bande de cons, hein. Hey, Shane, tu veux pas aller récupérer ta casquette, mais quand une luge elle passe? Comme ça tu prends des risques et ça fait plus de vues. Bon, surtout ne refaites pas ça chez vous les gars. Et si vous faites de la luge d'été et que vous perdez votre casquette, vous appelez quelqu'un. Vous n'allez pas la récupérer tout seul. Ça ressemble à tout sport, dis donc. Victoire! En réalité, victoire pour ceux qui n'ont pas perdu leur casquette. J'ai volé le téléphone de Swain, donc c'était pas forcément très prévu. Et voilà, on l'a pris. Maintenant qu'on l'a pris, je veux faire une petite citation d'Evie, d'accord? Alors, lorsqu'un sauterelle sort de sa tanière, la mouette gargantuesque s'exile dans le cocon de la chenille, noyée dans le sperme du crocodile, del Santiago, del Bernabeu, del Frigo, del Colazo. Signé Tony Stark. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, elle sera en description. Bisous. Bon, c'est bon les gars, on vient de rentrer à la maison. Du coup, on va aller essayer notre petite tenue, hein. On est trois avec Théo et Unchain. D'ailleurs, leur chaîne ne sera pas en description. Bon, renard. On essaye tout ça et je vais vous montrer, on va faire un petit défilé de mode de skin montagnard. T'en souhaites bande d'infos. On écoute, c'est quoi vos tenues les gars pour le moment? Bah voilà, c'est tenue de ville. Voilà, ok. Donc on est tous en tenue de ville les gars. Et on va changer et on vous montre tout ça. N'hésitez pas à mettre une note sur 10 en commentaire. Voilà les gars, je me suis changé parce qu'en fait il fait vraiment très chaud. Là c'est pas le moment d'y mettre, on y mettra quand on sera en altitude. Donc vous l'aurez compris, on va aller faire des petites randonnées. On a plein de vlogs qui vont sortir, également plein de réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, MSN, Skyblog. Il y en a beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Théo et de Unchain. Ils vont sortir pas mal de vlogs pendant les vacances. Du coup ça fait plaisir. Coucou les gars. Ils sont occupés. Bon c'est bon les gars, on a fini de manger. Du coup on va aller faire un petit tour dans le village. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous plairait des vidéos urbex. Genre on visite des trucs abandonnés, tout ça tout ça. Je sais pas si ça pourrait vous plaire, mais ici il y a des bons petits trucs sympas. Donc dites moi dans les commentaires si jamais ça vous plairait. Je vois rien en fait avec ces lunettes. Je sais pas si vous avez beaucoup de lumière ou pas beaucoup. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon allez, on va aller chercher des glaces. Est-ce que ça vous intéresse? Mamie, tu veux passer dans mon vlog? Oh non, surtout pas. Même ma grand-mère, elle t'excuse. Dépêche-toi là, tu travailles. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, Théo. Tu te bouges le cul. Possible ça? Mais non, mais mamie, c'est pour un vlog. Oh merde. Dans ce con, il m'a mouillé, ce fou. Vous saviez que l'eau, ça mouillait? Et la glace, c'est froid. Bon les gars, c'est bon, jour numéro 2 il commence. Du coup, on va monter tout en haut de la montagne aujourd'hui. Ça va être plutôt sympa, ça va être pas mal. Théo, montre religieuse. 1, 2, 3. Pas mal. Donc là tu penses que tu vas avoir froid quand on va être tout en haut Théo? Ouais. Parce que t'es habillé comme un pleutre. Ouais. Voilà. Parce que regardez où c'est qu'on va les gars. En gros les gars, on va être tout là-haut. On va se cailler les couilles. Bon, par contre avant l'effort les gars, il faut prendre des forces. Il faut donc manger. Et là j'ai vraiment très faim. Théo. Et voilà. Ouais, t'as faim? Donne-moi ton doigt. Oh putain, un arbre. Oh putain, une voiture. Bon c'est bon les gars, on a fini de manger, du coup là ça va être un petit peu compliqué pour aller tout au-dessus de la montagne, hein. Comme vous pouvez le voir, on est légèrement dans les nuages, du coup on va pas monter dedans. Et du coup il y a le palais des sports, en gros il y a de l'escalade, il y a du foot, il y a plein de trucs rigolos à faire. Du coup on va aller en faire et je vous filme des petits trucs, s'il y a des trucs sympas à filmer. Voilà, voilà, bon, les gars, je vais mettre une frappe à la Benjamin Pavard, à Théo. Alors Zinedine Zidane, coup de boule. Oh ma mère. Zidane, il fait pas Zidane. Zidane, il place le ballon. Voilà ma mère. Les gars, on a rencontré des abonnés, vu que j'ai un petit peu de watch time à avoir. Les gars, oui, je donne 10 euros au premier qui arrive là-bas. Allez, c'est parti. Théo, Théo, tu reviens là, Théo. Oh putain, Théo, il fait une pointe, les gars. Oh man. Bon bah, j'ai perdu 10 euros. Mais j'ai gagné du watch time. Du coup, dites-moi en commentaire si c'est rentable ou pas. Qu'est-ce qu'on peut bien leur faire d'autre? Tiens, tiens, tiens. Swan utilise les abonnés pour faire du watch time. Oh merde. T'as dit quoi? C'est quoi? De la torture. C'est de la quoi? C'est de la torture. De la torture. C'est qui gagné? Moi. Ah, bah, t'acceptes l'échec ou pas? Non. Non. Bon bah, je vais te payer. Allez, viens, on va passer là-bas, on va passer la caisse. Allez. Bon les gars, c'est bon. On a fait le sport du matin et de la semaine et même du mois. Oh, mettez des pouces bleus parce que. Bon, faut pas forcément des raisons pour mettre des pouces bleus. Hein. Théo. Oui. Séance de tir au but. Le premier à 3, il paye le reste. Enfin, il paye pas le reste. Ce soir. C'est bon? Ouais. Allez. Allez, maman, ti. Allez, Théo, à ton tour, maman. Oh, c'est quoi ces menthes religieuses? Oh, j'ai. Mais. What the fuck? Hey. Tony Stark. Oh,
arrive. Oui. Instantanément. J'ai trop mal. Je suis désolé. Bon les gars, je vous filme assis maintenant. Attends, c'est quoi ça là-bas? Mais what the fuck? Il y a un truc là-bas, je sais pas ce que c'est. Il parle en mamène. Mamène, mamène, mamène. C'est la balle de match. Vas-y, balle de match. Nul. Les gars, j'ai pas raté la troisième balle. Je vise le watch time, c'est différent, faut pas que ça se finisse trop vite. Jamais, c'est terminé, on remballe et tu payes le reste au sort. Attends, un mot pour cette balle, pas qui. Oh, GG. Oh. Yes. Moi qui ai gagné. Bon, c'est bon les gars, on a fini. J'ai gagné mon resto face à Théo, la grosse daube. Ah. Et du coup, nous, on rentre à la maison. Et puis voilà, je vous règle peut-être des trucs quand on est en bas. Bisous les abonnés. Bande de cons, ouais. Pas toi une bande de fous, ouais. Non, c'est bon, les gars, on est rentrés. Alors, en gros, où c'est qu'on était? Attendez, focus, arfou. En gros, on était en merde, vous voyez pas? Là, tout en haut de la montagne, bande de fous. En gros, on était là. Et donc, là, on vient de descendre. On a une maison ici. Enfin, ma grand-mère, elle a une maison ici. Du coup, là, ça va être petit moment calme, chill. On va se reposer un petit peu. Et ce soir, en vrai de vrai, ce soir, je pense qu'on va aller se faire une exploration dans les bois. Le soir dans les bois c'est super sympa. Et en plus de ça avec la montagne derrière ça fait vraiment très peur. Et ça sortira sûrement sur la chaîne de Unchained. Du coup n'hésitez pas à aller vous abonner à Unchained. Il va sortir des vlogs durant la semaine. Théo18300 n'allez pas vous abonner à ce con. N'y allez surtout pas parce que c'est un vraiment un con. Alors lui on s'abonne pas. Ouais, vous pouvez vous abonner quand même, ça fait plaisir. Et bien évidemment n'oublie pas de mettre des pouces bleus et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en activant la cloche de notification. Et merci beaucoup pour le soutien du code créateur Swen parce que ça fait que augmenter. On est bientôt aux 100 000. Nous sommes actuellement à 78 000 pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc je le place là, je rappelle que si on atteint 100 000 codes créateurs avant la fin du mois, eh ben je partirai une journée chez un abonné avec ma jolie petite pipine, hashtag ma voiture. Voilà bande de fous. Bon les gars, j'ai fait le malin tout à l'heure, je courais, je tapais dans la balle, tout allait bien, hop là, petite roulade, petit salto, petit flipper. Enfin bref, je suis KO, je suis mort. Du coup ce soir on va rien faire, on va aller dormir. Mais avant ça, Théo, c'est normal. Non, oui, quoi? T'es éclaté ou quoi? Tiens, viens. Rien. T'as, je t'ai pas encore montré ça. Non, de quoi, mamène? Rien. Si tu soulèves ça. C'est un coffre? C'est un coffre-fort, mamène. On peut l'ouvrir. On va chercher une fourchette. Il est ouvert. What the fuck? I know who you fucking with.